T'es un putain d'enfoiré. Y'a ta gueule qui coupe la caméra, sa mère. Ah, ça y est, là, t'as vu, mec. Hey, Boris, il a tourné sévère. Il était plein de balles. Ça va, ça Non, il l'a poussé à moitié après. Non, il fait foutu, gros. Ouais, non, mais il l'a poussé. Ah, attends, ferme les sens, s'il te plaît, ça. Eh putain, et j'ai une photo. Mathias, celui-là, la roue. Il se casse la gueule après. Hein. Mais j'ai pas. J'aurais pris une vidéo, j'aurais tout. Mathias, celui-là, la vidéo. Mais là, tu vois, le gars, il est tout sur le côté. Non, mais là. C'est ça qu'on fait après. Ah mais il était tellement bien en équilibre en fait qu'il a trop voulu gérer mais... Ah, il a mis la moto hors de temps. Jusque là il était là. Mais il s'est trop senti dedans gros et à la fin. Quand il se mange. Mais c'est surtout qu'à la fin gros, en fait il a vu la moto descendre, il a ouvert vénère. Vas-y gros, en fait c'est quoi ta merguez? Attends, j'attends qu'il revienne. C'est de la merguez 125. Bah gros t'as conduit un 450, enfin 2,5, c'est pas pareil gros. Ouais c'est de la merguez. Par contre la tienne elle est chelou. Dès que t'accélères, elle se barre. Non, maintenant j'ai peur. Ah non, maintenant j'ai peur. Il a le casque, il a la dorsale, il sert à rien s'il arrête d'en faire, je crois que c'est une moto en fait. Il a tendu son bidon. Si tu remontes pas tout de suite, tu vas avoir peur. C'est pour ça que là il a des calottes. Là, par contre, je pense que le deuxième frayeur ça va le calmer. En gros, franchement, là il a pris une chute. Ouais. C'est le risque, hein, je lui ai dit. Hein. Ça sert à rien. Hein. Mais il était trop belle, gros. Franchement, il l'a géré à mort. Mais il est géré bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important c'est pas la chute. Ouais mais t'es juste devant. Bah. Vas-y gros, pose là la décane. Ouais. Je me rappelle à reposer parce que c'est mangé. Ouais mais il a raison à côté. Franchement je trouve que c'est mieux. J'ai arrivé sa décane. C'est ça, c'est celui qui gère mieux sa décane. Au niveau des roues et tout. Je la connais par cœur. Ce bâtard, il a fait une sacrée roue, cet enculé, mon gars. Tête d'homme. Elle est violente. Et tu vois, comme j'ai dit, il était tellement bien équilibré, il a trop voulu gérer. Il a mis un coup d'accélérateur trop. Parce qu'en fait, il a vu la moto descendre et il a eu de gazer un tout petit peu pour la remettre bien, gros. Il a voulu ouvrir trop grand. Ah, mais il serait pas mangé avec un frein. Il aurait vu que ça se faisait un peu. Ah, mais ça se trouve, il aurait pas eu le réflexe. Je pense que là, vu comment il était, il aurait. T'as vu celle avec. T'as vu celle de Joris tout à l'heure, il était presque à l'écart, il donnait le coup de frein, il est retombé. Il sait, il connaît sa décale, mais ouais, son frein arrière, il essaie très bien. Yeah.